Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, ces derniers jours de très fortes précipitations pluviométriques dans le sud de notre pays, 4 fois supérieures à la moyenne, ont causé des pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts matériels. J'ai une pensée particulière pour les familles des victimes et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ces phénomènes nous interpellent sur l'impact des changements climatiques qui peuvent avoir des conséquences graves sur notre mode de vie et sur le développement de notre pays. C'est pourquoi, face à ce constat, le gouvernement a développé un programme fortement soutenu par la Facilité de résilience et de durabilité du Fonds monétaire international pour anticiper et réduire les risques liés au changement climatique. De même, des actions sont en cours pour poursuivre l'assainissement de nos villes et éloigner les populations des zones les plus à risque d'inondations.